Bonjour à tous et à toutes, ici Hamidou76 Gaming, on se retrouve sur The Seven Deadly Sins, Grand Cross, la version japonaise pour la mise à jour sur Ragnarök. Donc on va un petit peu découvrir tout cela. En premier lieu, on va aller dans notre box aux lettres pour voir ce que nous avons. Alors, on a 3 médaillons. On a bien le personnage SSR gratuit, donc je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. On a ses costumes, donc l'ensemble de costumes et les 100 diamants promis par les développeurs lors du reveal qu'il y avait eu sur le Ragnarök. On a les 10 diamants de la campagne de retweet, 20 000 retweets, donc 10 diamants. On a encore 5 diamants pour la compensation pour la maintenance, bien sûr. On a un ticket SSR partie 2 d'offert. C'est bien. C'est cool. On a 100 enclumes, 3 recharges de dojo de Solgales, 3 pendentifs SSR bleus, 10 médaillons SSR. On a le sablier du dojo de Solgales limité qui a été... quand même assez changé, pour ne pas dire un petit peu décevant. Et on a 2 diamants aussi. Donc je pense peut-être que la compensation c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. On va aller sur la zone Ragnarök. Vous avez quelques missions. Donc bien sûr, je vous récapitule si je m'en souviens. Alors, on doit se connecter 3 fois. Ensuite, on doit affronter le boss événement spécial Piccolo. Vous voyez, je l'appelle Piccolo, mais c'est pas Piccolo. Alors, on va laisser charger quand même. Ok, non. Ah non, ça c'est améliorer un personnage 5 fois. Donc ça c'est l'amélioration, donc ça on va aller le faire assez rapidement. Comme ça on va vérifier que les défis fonctionnent très très bien. Mais tiens, pour commencer, on va monter celle-là. Elle va être très utile, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Patch Notes. Elle va être très utile contre le démon affrontement Belmoth, puisqu'elle fait des attaques physiques. Et en plus, elle est verte. Et en plus, son passif va grandement aider lors des combats de boss de démons. Je pense affrontement aussi, ça devrait fonctionner. Donc voilà. On devrait avoir validé une mission normalement. Attends. Voilà, la mission a été remplie, donc il suffit juste de monter un personnage 5 fois. Voilà. Ensuite, ça c'est les connexions de 3 jours. Ça, ça devrait être le boss de démon Piccolo. Voilà, vous devez le battre 5 fois. Donc là, faites-le là aujourd'hui, 3 fois. Comme ça, au reset à 17 h tout à l'heure, et ben vous aurez validé la mission. Donc voilà, ça sera quand même bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bingo. Bah, il reste que le bingo et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. 4 petites missions pour avoir une multi sur le nouveau portail. Donc, on a le démon, comment il s'appelle, la boutique aussi. On a l'événement roulette, voilà, rien de bien difficile, vous faites des activités, missions libres, vous faites du dojo de Solgales, vous récupérez des tickets et vous essayez de remplir, enfin de récupérer toutes les récompenses. Ensuite c'est tout. Oh, j'ai envie d'éternuer là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ensuite on a le mode histoire, bien sûr, donc ça je vais pas spoiler, vous irez voir vous-même. Dans leur car ici, vous avez le mémorial qui va se débloquer un petit peu plus tard. En combat de boss, qu'est-ce que nous avons? On a encore, je pense, Hendrickson et Dreyfus, si je dis pas de bêtises. Voilà, il reste encore une semaine. Moi, personnellement, je ne me suis pas encore décarcassé dessus. Franchement, ça me fait plus chier qu'autre chose de le faire. Et puis voilà, bon après, il y a d'autres nouveautés. Par exemple, on a le... On a le portail des tickets partie 3 SSR. On va aller vérifier ça. Partie 1, partie 2. Et... Ah, bah il n'y a pas le partie 3. On a toujours le partie 1 et partie 2. Il n'y a pas le partie 3. Partie 1, partie 2. Ok, normalement il devrait y avoir les tickets SSR partie 3, mais je sais pas. Ils n'y sont pas encore. Ah d'accord, donc ils ont mis ici. Ah d'accord. Ok, donc faut carrément dépenser des diamants pour les avoir. En sachant qu'il y a des trucs de merde dedans. Non mais ça vaut vachement pas le coup, quoi. Ça vaut vachement pas le coup, quoi. Après, normalement, au reset, normalement, maintenant, ça sera ici que vous allez pouvoir récupérer, là. Vous voyez les réductions, là. C'était sur le parti TKSSR partie 2. Et ben, dorénavant, ça sera sur les parties 3. Donc, voilà. Ensuite, on va aller invoquer un petit peu sur le portail. J'espère avoir ce personnage-là, puisque elle, je l'ai déjà d'office. Et le Lost Vayne osé, enfin, moi j'en veux pas, gardez-le votre Lost Vayne pourri, franchement, un personnage à des buffs, non, je préfère carrément le Lost Vayne qui tape fort, qui fait des dégâts, et en plus si vous lui faites du critique, il monte ses cartes. Et après il faut voir l'aspect ultime, parce qu'il me semble que l'aspect ultime est complètement différente de celle de Lost Vayne, parce que celle de Lost Vayne, il me semble que si vous avez des cartes en main, normalement, quand vous lancez l'aspect ultime, ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. Et là, elle n'est pas mentionnée dans la fiche descriptive du personnage de Lost Vayne bleu. Ok, on a le mode démon, ça commence déjà. Bien sûr, on counter aussi l'Albion. On a bien vraiment la marque de démon. Est-ce que ça serait vraiment un braquage dès le début? Tu vois, avec le pot que ils vont filer le Lesven pourri. On a bien le SSR. Ok, il arrive en 5ème, 3, 4, 5, 6. On va ralentir là. Ok. Écoutez, moi je m'arrête là. Eh ouais, le personnage qui tombe direct. Allez, ça y est. Plus besoin de dépenser de diamants sur le portail. C'est bon, c'est celui que j'avais. Honnêtement, je vais le monter et je vais l'intégrer dans la team ban purgatoire et voir vraiment ce que ça peut donner éventuellement, s'il est vraiment cool ou pas. Parce que son passif, il est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, j'attends les traductions et je vous mettrai les liens pour chaque personnage, leur fiche, vraiment avec tous les détails, parce que c'est vrai que la traduction que j'ai faite un petit peu anglais sur le patch note était assez sommaire. Donc là, on va vraiment voir ce que ça peut donner. Et puis voilà. Donc écoutez, une multi, le personnage il est tombé, celui que je voulais. Le Lost Vayne là, j'en veux même pas du tout. Hein, honnêtement, il est... C'est vraiment un personnage bras cassé. Alors peut-être pour ceux qui aiment bien faire des debuffs et tout ça, ça pourrait être intéressant. Mais moi personnellement non. Moi ça me dit absolument rien sur cette version de Lost Vayne. Après je peux me tromper. Hein, et si c'est le cas, j'en suis désolé. En tout cas profitez quand même des 100 diamants qu'ils ont été offerts avec les 10 diamants aussi pour la campagne retweet, pour tenter votre chance d'avoir au moins ce personnage là, puisque l'autre personnage féminin on l'a offert directement dans la boîte aux lettres. Et après, il ne restera que le Lost Vayne. Mais moi, tant que je n'aurai pas vu la preuve que ce Lost Vayne-là vaut le coup, je n'invoquerai pas dessus. Je vais économiser carrément. Écoutez, moi, je vais vous laisser. On se retrouve dans une autre vidéo, hein, bien sûr, sur la chaîne. Hein, il y a plusieurs jeux dessus. Et on se tient au courant via l'espace communautaire et tout ça. Hein, et puis, via l'espace commentaire aussi de la vidéo. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez du Lost Vayne que vous aurez peut-être choper. Moi, je vous retiens au courant. Je fais faire une vidéo. Déjà tester celle qu'on a eu gratuitement pour voir ce que ça peut donner contre le démon Belmoth. Et surtout, tester le personnage qui fait humain, qui est de race humaine et démoniaque, pour voir un petit peu ce que ça peut donner dans une team avec ban purgatoire, Arthur Excalibur et bon, Twigo, tout le reste et tout ça, en remplacement de The One, bien sûr. On va voir si ce personnage-là vaut le coup. Écoutez, je vous laisse, je vous dis bon après-midi, à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.